Salut, je m'appelle Samuel Brunel, j'ai 17 ans, puis j'ai hâte de vous rencontrer. On se connaît? Non, je pense pas. Ok, mais on s'est déjà vu, ma face te dit rien? Non, je crois pas, non. Tu connais Phil? Non, Gagnon. Phil Gagnon. Ah, non, je connais pas. T'habites là-bas? Non, je suis pas du coin. C'est bizarre. Oui. Je suis prête! Oh! Tu vas sortir dehors sans tuque, sans gants, avec tes renis. Ouais. Pourquoi? Ben, je sais pas, il fait genre moins 25 puis moins 1000, là. Ouais, ben moi, je suis pas frileuse. Ouais, mais là, c'est froid, là. Ouais, ben j'aime mes running, j'ai perdu mes gants il y a comme 2 mois, puis ben, une tuque, ben, je sais pas, ça me donne un air. Ça me va pas bien, c'est tout. Ouais, c'est clair, dans le fond, tu préfères entre un look poche et l'hypothermie, tu choisis l'hypothermie. Mais je sais pas c'est quoi ton affaire, là, mais je veux pas avoir l'air folle. Fait que, ouais, je préfère ton hypopatente. Ma tuque! C'est demain les funérailles. J'arrive pas à y croire. J'ai encore l'impression que c'est comme un rêve. Un très mauvais rêve. Ouais. Moi c'est pareil. La cérémonie est demain à 3 heures. Faut-tu dire quelque chose à l'enterrement? Genre, tu prépares un texte? Je suis censée dire de quoi, mais tout le monde veut que je prenne. Je fais juste pas le coup. Veux-tu me l'aider? Je vais dire à haute voix. Je te dirai ce que j'en pense. Ok, merci. Je vais essayer. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Passe-moi ton texte. Reviens-moi. C'est très beau ce que t'écris. Moi, à ta place, je serais pas garde de le lire sans pleurer. T'as vraiment trouvé les mots qu'il fallait. Merci. Je sais pas être capable de lire sans pleurer.